Bien ça qui est le salaire minimum. Salaire minimum là c'est la loi fixe un barème pour l'homme on a travaillé n'importe côté et minimum yo pas droit aller au-dessous de ça. Par exemple, et yo dit yo fixé 10 goud. Mon et patron ka choisi by 50 goud, mais pas ka bay pipiti que 10 goud. C'est ça qui est le salaire minimum là. Et même gros conseil qu'il a pour fixer ça salaire exactement. Minimum. Et dernier arrêté qui prend sous question salaire minimum et c'était en 2022 et yo t'ai essayé catégoriser en fonction de classe moun k'ap travaille la kay moun yo fait partie de ça nous te carré et classe E dans classe E a yo dit que yo moun k'ap travaille et la kay yo moun pour 8 heures de travail l'état est supposé et toucher 350 goud par jour. Nous ça c'est l'argent c'est son misérable l'âge. 350 goud par jour pas d'être joint là, ça fait combien là? Non pour arriver là non parce que c'est pour couvrir comme là ça. Maintenant ça vient passer. Dans 350 goud là, vient gain yon lot et loi encore qui prend yon les lois 38, mon ka content des lois 38 là qui s'allier. Ça veut dire que puisque mon ka travaille la caille mon yo yo pas travaille 8 heures et par jour mais au travail 24 heures parce que selon définition et travail et domestique là faut que mon rete la net. OK, c'est-à-dire que il fait 24 heures de travail. Pour dire pour cela yo pas faire calcul là sur 8 heures mais à faire sous 24 heures. OK, mon calcul nous fait par exemple et si mon est à travailler 350 goud et par jour et par heure là tu pas venir coûter 43 goud 75. OK. Maintenant, si nous considérons 43 gouttes 75, pas blessé, c'est salaire minimum, ça qui est pibiti. Maintenant, et si nous multiplions par 24, donc nous connaissons ce monde qui font la mathématique, nous donc nous. 43? Oui, 43 ça va être 1050 gouttes. Ça va être 1050 gouttes. C'est-à-dire que tout le monde qui a de la, qui travaille la caïmoun, pour pibiti, par jour, il doit avoir 1050 gouttes. Mais mental, t'as par jour. Par jour. 1050 gouttes. Mais, gon hic dans la question là. Ou parler de travail 24 heures, mais est-ce que ça pas risquer moun mettre moun qui travaille là non forme de situation d'esclavage côté que pendant 24 heures si employeur là t'a dit que li pas quitter moun ça prend repos qui recou moun ça gagne. Très intéressant. Et voilà, dans 24 heures de travail là gagne 14 heures de travail là donne rete combien là 8 heures. Rete 8 non oui rete 8 heures. Oui 8 heures c'est ça. Rete 8 heures. Non, il était 10 heures. Merci. Non, 10 heures là, on a gagné 8 heures de sommeil. Faut que les dormi pendant 8 heures. Généralement, on se rendait vers le travail. Voilà. Donc, on a dormi pendant 8 heures. Là, 2 heures là, c'est pour le manger. C'est comme ça la loi fixée. Le code du travail a dit, dans 24 heures là, on a travaillé pendant 14 heures. Dans 10 heures qui était là, 8 heures de sommeil et puis 2 heures pour le manger. Donc, on n'a pas fait 24 heures de travail. Mais il fait 14 heures de travail. Il gagne 8 heures de sommeil et puis il gagne 2 heures pour le dormir. Il y a deux cas de figure qui présentent. Il y a des gens qui ont travaillé avec les gens. Ils font journée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quitté les gens avec le bloc 4. Il y a des gens qui dorment. Mais deux gens savent comment la loi est dit pour eux. Parce que les gens qui font journée, les gens qui font et qui dorment le VA, ils disent que c'est pratiquement 14 heures de travail pour faire. Donc, il y a l'autre monde. OK. Et en droit, et l'exception confirme la règle. Donc, et la règle générale, c'est que les personnes qui travaillent, alors qui font les travaux domestiques, mon ça yo considère que c'est mon qui travaille pendant 24 heures. C'est-à-dire que li mon a dormi là et li lever là li fait journée. Maintenant, et si mon a aller dans 4 heures dans après-midi, le sale vient entrer dans rubrique mon qui travaille et 8 heures yo. OK? Donc mais si mon a dormi et automatiquement li entre dans 24 heures là. Okay. OK, maintenant calcul là pas de fini. Nous dit que par jour on a touché 10050 goud. Mon non 1050 goud. Et par exemple, nous connaissons un mois qui 30 jours. Ben oui. Et si on a fait calcul là sur 30 jours, là nous multiplier 1050 goud par 30. 1500 goud. Oui, ça veut dire que minimum pour pipiti. Yon moun ka travay la kayon moun, jodi a en 2024, l'état supposé toucher minimum. C'est le prend 1050 goud, la mesure pas 30. C'est quoi, Monica?
31 500 gouttes. Exactement. Et là, non, comme ça, est-ce que nous pas tenu compte de congé? Est-ce que la loi pas dit que mon cap travail 24 heures de temps au congé? Est-ce que mon sali pas gagne droit au congé pendant mois? Parce que chaque mois, mon congé de mon si on fait si mon n'a pas congé, si mon n'a pas travail un jour, même si c'est jour congé, je dis que juste ça va pile. Merci, très belle question encore. Et comment ça calculer? Mon cap travail et la caïmonio et selon même code du travail là. Et yo, yo dit que jour dimanche, mon an doit faire une demi-journée. C'est-à-dire mm-hmm. que sous 24 heures, là, il doit travailler pendant 7h30. Mm-hmm. Pendant et, oui, ça c'est jour dimanche. Mm-hmm. Et jour férié tout c'est de même. Donc et la vie de travail parce que c'est on dit que il est entré dans un cadre d'un un travail spécifique parce que c'est chaque jour mon an doit venir travailler. Mm-hmm. Donc mais pendant jour férié avec jour dimanche, mon an a travaillé et a fait une demi-journée mm-hmm. qui c'est 7h30. Maintenant, les congés reconnus par la loi, par exemple 1er janvier, donc toute date nous connaît qui reconnu, c'est mon ça dit pas doit venir travailler parce que c'est la loi qui dit jour ça c'est congé. Mm-hmm. Donc si on dit pour venir travailler, il y a payé le jour ça. OK.